On prend l'avion, on va à Berlin. Enfin, on prend l'avion. J'ai un périple. Je dois prendre deux trains pour arriver jusqu'à Bruxelles. Une fois que je suis à Bruxelles, je prends l'avion jusqu'à Berlin. Mais une fois arrivé à Bruxelles, j'ai 5 heures d'attente avant d'avoir l'avion à Berlin. Enfin bref, je vais arriver à 23h30 à Berlin, mais je vais partir à 13h. Oui. Mais c'est pas grave. Ça saoule, mais c'est pas grave. Là, vu que c'est un boulot où je crée la moitié torse nu, dernier petit footing pour bien sécher, pour bien être sec. Et on va courir 45 minutes tranquille. Et après, si je trouve des montées, je vais me faire des sprints en montée, que si j'en trouve dans le coin. Et après douche, j'ai préparé mon sac, mon passeport, tout. Et let's go. C'est les chaussures. Pour tous ceux qui courent, il faut savoir qu'il faut lacer très 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 fort. On va pas faire un garrot non plus, mais il faut toujours serrer très fort à la cheville. Je vous dis, je m'y connais. J'ai fait de l'athlétisme. Ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. C'est des petites bases, toujours très bien serrées. Et c'est parti. J'ai trouvé où je peux faire mes séances un peu. Là, j'ai fait 3 km tranquille. Et là, regardez, c'est pas non plus trop haut, mais je vais partir de là-bas. Et je vais courir ici. Je vais me le faire 10 fois. 10 montées en belle foulée pour changer des footings parce que ça devient ennuyant les footings. Il faut passer un niveau au-dessus quoi. Du coup, là, je vais partir de tout là-bas et je vais jusqu'ici. Bisous papa, bisous Milo, bisous Mathéo. Yeah, up in the sky, airplane papa, walk, airplane. I will be back tomorrow, ok? Tomorrow night. Tu vas être gentil? Ok, attention Milo. Hop, on va que tu tombes, toi aussi. Hop, allez, bisous les garçons. Bye. Bye bye. Milo, Mathéo. Bye bye. Ah, le deuxième train. Je suis parti avec mon copain. Mon sac au but. À chaque fois que je vais dans le nord, je voyage avec ce sac. Trop mignon. Ça me rappelle. C'est le troisième train que je prends. C'est un scandale. Tout ça pour arriver à l'aéroport de Bruxelles. Après, j'ai l'avion, je vais attendre 4h30 à l'aéroport pour avoir mon avion. C'est un scandale. C'est un scandale, les amis. Mais en vrai, je suis content d'aller à Berlin, travailler un petit peu. En vrai, je reste une journée, une nuit, et je retourne directement. Vu qu'on doit préparer le voyage à Dubaï, j'avais voulu vraiment rentrer plus vite. Il faut savoir qu'avant, pendant genre plus de 10 ans de ma life, toutes les semaines, je prenais un avion ou un train. Toutes les semaines. Je vous jure, à la fin, j'en avais tellement marre. Parce que moi, j'ai pas été dans 90% du boulot que j'avais, c'était à l'étranger. C'était rarement en France que je bossais, parce que j'étais trop costaud, trop ken pour la mode française. Parce qu'ils ont très mauvais goût. Et, et du coup, ben, j'étais toujours fourré en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. Beaucoup en Belgique aussi, enfin, j'ai un peu partout en fait. En vrai. Et du coup, ben, j'étais tout le temps en train de prendre des trains et des avions. J'en avais tellement marre à la fin. Pas, je suis marié, j'habite à Dubaï, la vie elle a quand même vachement changé. Faut dire je suis plus ce que j'étais. Hein. Avant j'étais petite gueule de frappe avant, j'avais une bonne petite tête là, de mannequin. Non, là j'ai 33 ans, je suis bon à la poubelle les amis, je vous le dis. Mais j'ai quand même quelques boulots, c'est bien. On veut encore un peu de moi. Mais bonne contention sur les deux jambes. Comme ça j'arrive à la cheville, elle sera pas gonflée. Enfin arrivé à l'aéroport. Non, il n'y a plus qu'à attendre, je vais chiller Netflix, j'ai quelques mangas tranquille et c'est parti.
Ouais, Tintin c'est belge, de la Belgique. Moi j'étais un grand fan, j'ai hâte que mes fils regardent d'ailleurs, faut que je le remette à la télé maintenant. Regardez, j'ai pas vu, il y avait la fusée de Tintin juste ici. Trop bien. C'est trop stylé. Merci beaucoup, mais quand je revois mes photos de moi, ma belle année de mannequinat et que je me vois moi maintenant, bah évidemment, après j'ai 33 ans, je suis très jeune, évidemment, 33 ans, ça reste très très jeune. Mais c'est sûr que quand je vois mes belles années de 23, 24, 25 ans, je suis au top physiquement. Je me vois vieillir quand même, plus marqué. C'est plus ce que c'était. Mais c'est vraiment gentil en tout cas. Vous connaissez tous, hein. Je suis à la recherche. Je fais le tour là de l'aéroport, j'ai 4 heures à attendre. Où je peux chiller, où c'est sympa, où je peux également charger mon téléphone. Si on connaît tout ça, quand t'arrives à 20% de batterie, t'arrives à Berlin en Allemagne et tu sais plus comment aller à l'hôtel parce que t'as plus de batterie. Combien de fois ça m'est arrivé à l'époque ça? Bah. Du coup, là, je vais chiller, il y a un Starbucks. Il me donne pas envie. J'ai repéré à Starbucks, je peux charger. Au pire des cas, je commence là-bas et je finis là-bas. Ah là là, parce que 5 heures à attendre avant de prendre mon avion, je vais m'occuper un peu là. Au pire, c'est que au pire, je pourrais manger, tu vois, me faire plaisir. Mais non, je suis en diète, je pars demain en shooting, donc du coup, je peux pas manger. Et je meurs de faim. Donc attendre et quand t'as faim, c'est horrible. Et je fais que de passer, je vois que des pains en chocolat, des trucs. Et là quoi aussi, c'est l'air elfie ici. C'est l'air pas mal en vrai ici. Je sais pas si c'est une blague ou pas une blague. Le poké coûte 22€. Mais... Ah mais c'est... si c'est bon de l'euro, c'est 46€ les sushis. Bah merde. Attends, j'allais prendre un café ici mais... Je vais partir vite là, je vais aller ailleurs. 15€ le café, je suis pas chaud. Ils sont chauds en Belgique, hein. Ah, j'ai trouvé un moment tout moins cher. Et c'est quoi ces prix de ouf? Voilà comment on reconnaît quelqu'un d'organisé. De la protéine, des flocons d'avoine, avec une cuillère dedans, et une gamelle que j'ai piqué à Mila et Matteo. En moins, on mange sainement. Plus qu'à manger maintenant. On s'est ennuyé. 7h48. Mon avion est à 20h57. Encore 3 heures. Ça fait 1h30 que je suis là. Il y a encore 3 heures d'attente. Alors soit je pose mon téléphone sur un trépied, parce que les box de CrossFit, ce que je fasse la plupart, ils ont toujours des trépieds pour les téléphones. Donc je les pique. Ou sinon c'est Hilary qui me filme. Parce que des fois en fait c'est en team of two, donc il y en a un qui en travaille, un qui se repose, un qui travaille, un qui se repose. Et du coup ça nous permet de se filmer, même si on est crevé que c'est la récup, on prend l'effort de prendre le téléphone et on se filme l'un après l'autre. Je viens de vous poster une vidéo que j'ai longuement hésité à poster. C'est un peu mon évolution il y a un an pile de mon accident à ma kiné, comment j'ai pris, comment j'ai évolué en marchant. Enfin, j'ai mis qu'une petite partie, ce qui a fait que 15 secondes de la vidéo. Je vous montre un peu mon évolution
fin de ma batterie à aujourd'hui. Et ça fait longtemps que Hilary me dit, mais pourquoi tu poses pas ton avant après, ça fait un an, etc. Je sais pas, j'avais pas envie de le faire, j'étais un peu dans le déni, je voulais pas revoir toutes ces vidéos. Mais je l'ai posté et bah, je vous la mets juste ici. Je vais rigoler. Vous vous rappelez les trucs à 36 euros là qu'on a vu, le poké. Je suis en train de chercher, parce que là je vais prendre l'avion dans une heure. Je suis en train de chercher du coup des aliments pas trop caloriques. Et en fait, c'est le seul truc qui est pas trop calorique, c'est du poké. Celui qui coûte 36 balles. Enfin, il y a que des sandwichs sinon. Je me retrouve un peu dans la merde là. Et ouais, j'ai fait le tour. Du coup, 36 euros le poké ou pas? Cap ou pas cap? Mais non, mais je suis pas cap. Je préfère manger des calories et de moins bien au shooting que payer 36 balles un poké. Je suis pas cinglé chez Dougien quand même. C'est... Franchement, c'est du vol. Ça a l'air dégueulasse. Bon, quand je serai à l'hôtel, je serai content d'avoir ça. Enfin! Quasi 22h30, je suis parti à 13h. Sauf que Berlin, c'est la porte à côté quand même. J'ai mis autant de temps que si j'allais en Thaïlande. J'ai plus conduit ça, mais en fait, vu que j'étais pas à Paris, j'étais dans le nord, j'ai pas rendu l'arrivée. J'ai dû prendre plusieurs trains pour aller jusqu'à Bruxelles. Et de Bruxelles, je dois attendre 5 heures à l'aéroport pour atterrir à Berlin. C'est ouf quand tu y repenses. Du coup, je suis arrivé à Berlin. Là maintenant, je suis dans le taxi, direction. On est pour 20 minutes, direction l'hôtel. Demain, réveil 6h parce que shooting très tôt, on commence très tôt. Et le soir même, je rentre. Le soir même, je rentre, ça c'est bien. Je fais pas une deuxième nuit là-bas. Berlin, je suis allé au moins 20 fois dans ma vie. Je connais par cœur à l'époque, hein, j'ai bossé là-bas. Du coup, pas besoin de visiter, je connais par cœur. Donc, du coup, j'ai essayé de faire l'aller-retour. Et du coup, demain soir, je suis normalement rentré. Donc, ça c'est cool. On est arrivé dans la chambre d'hôtel. C'est mignon. En vrai, c'est mignon. Une petite terrasse là. Waouh. Waouh. Ils sont sympas. En vrai, je suis bien. Je peux faire mon petit café demain. Je suis bien. Voilà le résultat de la semaine. 7 jours de diète. Voilà, j'ai pas réussi à perdre ça, malheureusement. Mais bon, il faut dire que ça faisait 2 mois que, même si je m'entraînais, je me suis amusé. Voilà, j'ai bien mangé, bien bu. Donc du coup, il a été difficile en 7 jours seulement de perdre. Mais bon, je suis déjà content du résultat, même si c'est pas parfait, parfait. Du coup, je vous montre ce que je mange le matin, généralement. Pépites de chocolat noir, pour apporter un peu de goût. Une petite dose de protéines, enfin une moitié d'une. Et mes flocons d'avoine avec de l'eau. Je suis un peu riche, je chauffe, etc. Et en vrai, tu peux mettre une petite banane dedans, une moitié d'une banane. Et en vrai, c'est pas mal. Et t'as toutes les bonnes calories pour commencer une bonne journée. Yes! En vrai, il mange juste un micro-ondes, ça aurait été parfait. Parce que c'est quand même meilleur chauffé. Bon, on va faire avec. Hein. Bon appétit. Voilà le petit déj. Ah! Ah, je vais me niquer le pied. Bonjour Berlin! Let's go! Je suis en retard. J'ai trop snappé ce matin. J'ai trop fait le malin. Je suis en retard. Curly hair.